Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectateurs de la radio Télé-Saleté. Et que je dis à que nous très heureux pour nous gagner deux étoiles dans la communauté haïtienne du Brésil là pour entretien ou bien pour émission dans la radio Télé-Saleté. Que une étoile ça, bon, c'est Monsieur Julien. Monsieur Julien passe déjà dans l'émission avec nous. Et Monsieur Julien, c'est un monde qui a étudié les relations internationales. Et au Brésil, mais que l'a bien lui-même, que pour parler encore plus de lui-même, de l'a bien pour présenter tête lui. Nous avons mademoiselle Naïka, tout, ouais, que je dis à qui n'a émission avec nous, nous disons bienvenue. Nous réellement content que pour nous te gagner, et pour nous te gagner dans l'émission ça, bon, et que Naïka, que vraiment, c'est parmi les étoiles montantes, les jeunes étoiles montantes de la communauté au Brésil. Et vraiment que Naïka, vraiment que son monde qui aimait pays l'empile Haïti, depuis que qui aux études au Brésil maintenant présentation l'introduction a bien pour le faire cette année que l'a bien pour nous parler. Mais si je dis c'est surtout c'est sous Lula parce que normalement que les difficiles nous même haïtiens là nous du Brésil pour nous parler de football. Pour nous parler de Lula tout, parce que Lula, bon. Et une fois que papa Lula, c'était Aristides, c'est ça? Et Aristides, bon, que nous avons même un président Haïti qui était Aristide. Il va bien S là, mais quand même, que monsieur que Lula a rencontré avec Aristide tout, le président, bon. Mais il a bien pour nous parler tout, parce que normalement, que, nous on est que. Fioto qui a pu jouer. Nous avons madame et madame Djimato qui était président du Brésil que Naïka qui a pu parler un peu de Nice, hein, immunité, etc. Qui fait que depuis Brésil, que nous avons dit non, bonsoir ou bien bienvenue à la radio Télé-Saleté. Bonsoir Naïka et bonsoir Frère Buto. Et c'est un plaisir pour nous tous venir la caille nous encore. Et parce que nous déjà censé petite radio télé solidarité pour nous vinn bay opinion nous fait si parler et puis analyser ensemble et un grand nom dans politique Amérique latine là un nom qui inspiré en pile politicien dans Amérique latine et Caraïbes là un nom à une époque qui était un des plus gros politiques dans monde là et Jean Obama te dit dans conférence des Nations Unies te dit monsieur ça c'est politicien qui pi et fameux dans le moment, et la reine Elisabeth, etc. Et je dis à son plaisir pour me partager pour la deuxième fois mon plateau avec Naïka. Il a un bel nom et dans la communauté haïtienne dans le Cap Vive Brésil, il y a une fille de valeur. Et bonsoir, et chagrin, et auditeur et téléspectateur Radio Télé Solidarité, et bonsoir à chaque monde qui partage le plateau ça ensemble avec moi. Qui veut que Naïka, que nous allons vous présenter aux téléspectateurs des services de la Radio Télé Solidarité? Bonsoir tout le monde, bonsoir Julien, bonsoir Monsieur Vito. C'est un plaisir, franchement, pour me partager plateau ça encore une fois ensemble avec Julien. Et pour la première fois, notre vidéo, ça fait un grave plaisir. Et moi, j'espère surtout que ce n'est pas le dernier point. Jean-Monsieur Vito, c'est de là, non, complètement, c'est Naïka Chuzlov et mon fils. Je vis au Brésil avec famille, ça fait déjà quelques années. Je suis étudiante, finissante en commerce extérieur. Et moi, j'espère que nous allons partager des idées que nous avons. Quelques bagages m'apporter pour nous, afin que pour nous apprendre, partager des idées entre nous. Merci. Bon, que ma bajouté pour Naïka, parce que Naïka, c'est pas mon petit nom, mais parler de lui, bon, que je suis capable de dire que Naïka, c'est quand même et une jeune femme polyglotte. Elle parle le créole, le français, l'anglais, et non, l'espagnol et le portugais. Elle est déjà femme d'affaires, elle a son entreprise au Brésil. C'est vraiment extraordinaire que lui-même a animé un talk show tout, ouais, au Brésil. Et que Naïka, bon,
capable de dire que son monde qui pas dormi. Et elle est vraiment un modèle pour tous les jeunes de l'Amérique latine. Et, bon, et même de l'Amérique du Nord. Qui fait que Julien et bons amis nous, que nous comptons encore pour nous gagner sur le plateau, parce que vraiment, dernière mission nous avons fait sous le Brésil là avec vous, c'était vraiment extraordinaire, que quand tout le monde continue à parler de lui. Mais au moment que je dis à la sacre pour sa actualité, c'est surtout Lula. Et bon, Lula que nous connaissons, bon, qui était même fait, qui était président au Brésil l'année 2003, et que l'élection en octobre 2002, bon, qui était vraiment, c'est un gros victoire pour le pays, bon, bon, pour la population brésilienne, bon, César a dit que tout ça parce qu'on est quelques défaites tout avant, 1994, 1998. Mais quand même que Julien, moi, je suis un membre parti travailleur. Est-ce que vous avez un portrait de Lula pour nous, pour dire exactement qui est mon lié, mais nous avons un coup d'arrêt, et portrait ça, et nous avons un coup d'aller depuis dans la France. Et bien avant nous venir en France, Lula a dit nous là son légende, et c'est un homme qui peut marquer la vie principalement depuis Haïti. Parce que depuis Haïti, je commence à avoir les yeux fixés sur le Brésil. Elle était à l'époque 6e puissance économique mondiale. Et c'est un homme qui peut influencer et filiation. Ça aurait j'aurais les lycées. Je peux rentrer dans la même partie politique avec Lula. Je dis que c'est président d'une commission en deux partis politiques là, qui représente les jeunes dans la zone côté de la vivre là. Et n'a préparé là. Et bon, si toutefois ça a marché, je pense que il y a une pile possibilité. Si m'ta passé dans votation interne pour m'ta candidat et député dans même parti ça dans élection k'ap vini là. C'est-à-dire n'ap milité en pile dans politique et n'ap suivre exemple et Luis Inácio Lula da Silva qui c'est nom complet. Luis Inácio Lula da Silva, il fait en 27 et 10e mois en 1945. Vous comprenez? Le 27 octobre. C'est ça, 27 octobre 45 et nous connaissons qui ça monde l'a confronté à l'époque. C'était censé la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez, le monde l'a agité. Il y a un paquet de réformes qui ont fait mondialement par là et qui peut avoir un paquet de conséquences, surtout dans le pays Amérique latine et Caraïbes. Bon, ça n'est pas tellement important puisque Lula a fait dans une zone qui est vraiment pauvre, Brésil, qui est dans Pernambouco et dans la partie nord-nord-est pays. Et zone ça, si jodi a li représente taux de pauvreté ça dans pays, imaginons en 45 qui gens ça paye. Lula pral immigrer, pral faire émigrer, vous comprendre et faire par migration interne pour São Paulo côté que là pral commencer et militance li et en 1980 il pral commencer militance li avec et révolution et moun syndicat et métallurgie pour qu'elle capable demander plus conditions de travail et plus droits pour eux. Là, il peut commencer à faire une force et sociale organiser système ça, il peut venir président syndicat des travailleurs parti métallurgique là, vous comprenez? C'est là à l'année 1975 là, ouais. Et là, il a commencé carrière ça depuis en 80, vous comprenez? Elle vient censé dans top et dans top là que on commencer parler et sous lui et de lui nationalement. Vous comprenez ça me dit là? En 86, li pral élu et y en a député qui plus élu et São Paulo avec plus vote et li pral élu député fédéral. Là encore pral font leur travail parce que son monde depuis le petit qui dit lui-même force pas là, la mette en faiblesse ça ou pas capable là pour le bas pays on l'autre allure, on l'autre visage et rendre pauvre là lui-même, li capable manger dignement et vivre dignement. Il n'est pas jamais dévié, il n'est pas quitté pouvoir pour être dévié. Et puis, il peut aller penser plus loin, pour qui c'est en 1989, il peut concourir premier élection comme président, côté le peut échouer. Et avec 47 et 53%, il peut faire 47% des voix. Et puis, nous peut gagner l'autre président qui peut le faire et censé et 53% des voix. En 94, il pourrait le tenter encore, et avec Fernando Henrique, côté pourrait le perdre une deuxième fois, mais malgré tout, vision en ville pour le des peuples, et sortir dans la situation de vivre en bas, une élite traditionnelle qui t'a mis pieds sous coup peuple, pour que peuple ne soit pas jamais consacré et dignité,
Lula pas découragé de rêve li, li pral continuer et en 2002. Et avant d'aller plus loin, est-ce qu'on voit différence de élite 94 Brésil là avec élite haïtienne nous gagne je ne veux dire et que bon, est-ce qu'on fait une différence et que pour nous on doit en élite ça. Bon, normalement, et nous capables de tenter faire, mais son bagage qui est compliqué, M. Buteau. Pour qui ça nous dit le compliqué, c'est parce que l'élite n'a pas la même vision. Nous avons une élite au Brésil qui sont élites qui acceptent, oui, que l'audio domine économiquement parlant, mais qui balle un minimum à condition à pays. Parce que vous avez un pile d'industrie, vous investissez un pile d'infrastructure, vous investissez un pile dans une série de l'autre bagage, par exemple, communication, plus ou moins bagage. Seulement, vous pas investi dans l'éducation puisque vous connaissez un moyen. Que et masse l'an gagné côté le cas Dieu le cas ouvert pour être clair Haïti nous go élite qui pas investi dans rien nous go élite qui nous cas censé dire yo élite qui sous vue vous comprenez qui pas existe c'est seulement l'argent yo gagné mais pas rien qui fait concret pour nous cas censé dire yo même prêt à élite que nous gagné yo de la guerre position n'a pas pour ça là ça pas empêcher que yo gagne bloyo qui sorti ma ami la élite que nous gagné yo de la prêt l'argent dans l'état. Pendant cette époque, comme ça, elle investit la République dominicaine. C'est ça la différence. Et au lieu que vous d'abattre en l'hôpital, vous préférez premier test à Yogéa, Yoko, y aller Cuba. Y aller à l'étranger. Mais par contre, nous, élite brésilienne qui est différente. C'est ça, élite brésilienne différente parce que l'élite brésilienne lui-même, il peut créer conditions. Parce que tout business sur un pays, yo. Ou après, yon seul moun, gen plus que 40 000 moun kap travaille avec, parce que yon seul moun, et que m'a besoin de citer non pou m'a pas fait, yon ti gen moun ki gon loge, et ki yon est avant, m'a pense que Naika konen, ki gen plus que 17 nan pays yon. Comprendre, dit, parce que dans chaque état, li gen, non seulement ville côté, mais gen 3. Nan gozan ki yon échappé ko, y gen n'importe 4 là-dedans. Ça veut dire, comment ka comprenne, yon seul moun gen plus que 200-300 loge, li ba plus que 40 000 moun travail. Ça veut dire, c'est garder différence de élite yo. Ça veut dire, élite ça, malgré que son élite économique, mais l'investit dans le pays. Nous même, nous go élite économique, ta tout pisi jeunesse nan, qui pa de jeunesse nan progresser, pendant tout ça le gagne, li gen vision à l'étranger. Ça veut dire, c'est là la différence. Et non seulement, bien que son élite réactionnaire que lui et tout. Donc, vous voulez parler de son élite réactionnaire. C'est clair, c'est clair. Son élite qui a même financé pour l'État, mais pendant ce temps, il va bâtir en l'hôpital. Il va faire l'école pour mon aller à l'école. On. Mais il y a la finance pour l'État tout. On. Chaque jour. Juste pour m'ajouter un petit question à Julien Dion, sur la question stockée avant. Vous dites qu'il y a plus que combien, Julien? Il y a plus, dans un côté, il y a plus que 4. Et en total, nos dernières émissions ont été suivies, il y a plus que 170 dans tout le pays. Exactement. Donc, on sait le monde. Plus que 20 000 monde dans le travail. Et c'est pas n'importe qui l'aime parler de ça, sinon pas parler de n'importe qui entreprise. L'on peut entrer dans un magasin, monsieur, ça, ou entrer dans un magasin, ça pour pas rencontrer un de l'un, c'est ça qui pas tellement utile dans la société. Les parties de électronique à yon serviette de douche, vous comprenez ça, Mzoulan, et à yon radio pour faire musique, ça veut dire tout le bagage, vous comprenez ça, revenons à nos moutons. Ou dit que Lula a perdu l'élection 94 là, il a perdu l'élection 98, et que Lula a gagné l'élection. Mais c'est de là que pour nous capables, ça va lui passer de tout. Mais que Lula a perdu l'élection 89, il a perdu 94 devant Cardozo, 98, il a perdu encore devant Cardozo, il a vu que Lula a battu Cardozo en octobre 2002. Oui, bon, Kounia Landa, même pour avoir un peu 8 ans, et Lula a fait de 2002, et est-ce que le politique est néolibéral là, et que est-ce que vraiment, est-ce que Cardozo, que nous connaissons que Cardozo, et que c'est une amoune qui a commencé politique néolibérale là au Brésil, est-ce que Lula a suivi, est-ce que Lula, tout pendant l'époque, ça n'a pas bien cut? Manifestation moi même tout pour politique néolibérale. Bon et normalement monsieur Buteau pas jamais gain dans n'importe qui pays du monde pas jamais gain président qui est élu sans pas gain contestation parce que il était gain opposition. Si tu comme en face dit gain opposé et c'est ça la démocratie. Démocratie c'est ça sous pouvoir et puis opposé qui pourra le forcer
et pouvoir en place là, li fait des bagages concrets, vous comprenez? C'est-à-dire, avec certitude, droite là, t'es déjà contre Lula, puisque Lula sont homme de gauche, et qui est extrême gauche, vous comprenez? Qui parle de question de redistribution des biens, surtout résistance économie, vous comprenez qu'il parle demander pour que pas de problème pour faire million mais dans million faire font tel lui-même qui faire on centaine la donne parce que lui-même folk à manger et il parle subventionner un paquet de produits première nécessité pour commencer faciliter et ça t'a prôné durant toute période il t'a fait campagne ça avant l'élu et vous parle ouais en 2003 une année après Lula fin élu Brésil parle sorti dans sa télé et question de mapa d'afformi qui j'aime te dire qui c'est yon et ONU gen yon recherche li fait sur question grand goût dans monde là et Brésil c'est un pays et bon pas son classement mais qui côté grand goût là dans l'été vraiment fort et non seulement un an Lula retire Brésil là ça c'est un pays côté presque tout monde ka manger parce que pas venir créer des programmes ça va pas les des programmes politiques ou comme des politiques publiques avec on bagage qui les mi à casa mi à vida ma vie ma maison côté que et bourse de la famille côté chaque mois l'état pral ba chaque parent moun ki pa travay yon ti kòp pou survi ki pral bon dignité humaine côté oui ou gen doit pa ka manger vyen pendant tout mois mais c'est bon certitude que du riz avec pois et l'huile là ou a bien pendant mois pour ba petit tout manger et ça en fonction des quantités ti moun ou gen tout ou gen plus ti moun ou gen plus et moyen qui vient dans mon que l'état bon pour subvenir à besoin Lula parle que plus que 70 universités dans premier mandat comprendre parle de université tantôt état et fédéral vous comprenez et côté que le pral bal et petite et malheureux éducation. Vous comprenez? Et c'est sous Lula quand on parle yon ti nèg noir tant koum quand entre dans faculté de médecine. Si t'es avant Lula moi-même avec Naika pays immigré Brésil, ça c'est certain jodi a jusqu'à maintenant nous t'as non factory à travail parce que éducation c'était luxe même pour petit et blanc depuis pas gen moyen pour payer. Vous comprenez? Li pral commencer créer et université côté m'a étudié c'est on preuve de ça parce que il est université fédérale pour l'intégration de l'Amérique latine. Li pral créé en 2010, les Lula pral venir avec question de Mercosur qui c'est marché commun et du sud. Vous comprenez? Côté il pral dit non, nous pas qu'à seulement penser à économie. Si nous dit n'a vendre tout ça nous produit la caille nous avec un tarif douanier qui est égal pour tout le monde, eh bien faut nous produire et capacité intellectuelle pour zone nous en tout. Est-ce que nous cap voyer petit non seulement étudier à l'étranger? Eh bien il pral créer une université qui n'est fédérale pour l'intégration de l'Amérique latine côté tout pays Amérique latine non. Il y a un pourcentage de vagues là-dedans pour voir tout le monde chaque année venir étudier. Ça dit que l'autre vision. Lula pral créer un bagage qui pral frapper les États-Unis ensemble avec l'ONU très fort dans le deuxième mandat qui pral BRICS. BRICS qui c'est banque commun des pays du Sud. Vous comprenez? Quand il pral gen la Russie, la Chine, Afrique du Sud, Brésil et l'Inde. Vous comprenez? Et l'Inde, qui ça? Leur fait ça. C'est qui c'est d'un coup dit comme ça. Et Banque mondiale, regardez. Ce qu'on a, si les États-Unis utilisent pour peser, couper l'Amérique du Sud, ou bien nous-mêmes, pas de problème, nous-mêmes, tout nous avons propre banque, nous, quand nous parlons soulager pays ou à peser. Là, il y aurait les sons contre hégémonie. Ou contre kaye avec hégémonie moment et États-Unis pas trouver ça dans bon l'œil parce que là prend la Russie avec la Chine qui deux pays qui en compétition avec avec États-Unis ou mettre ensemble avec Brésil là regardez notre territoire regardez qui ça représente là prend Brésil un pays continental qui est en gère économique et que dans Amérique l'éclair là prend Brésil ou prend la Chine ou prend la Russie trois pays ça avec l'Inde. Là prend ça yo c'est un côté cadre pour moitié dans monde territorialement parlant. Là pour regarder comme si dans marché ça on pas les questions dans économie, yo pas les mercado consumido le marché et moun ka consommer. Il dit quand c'est moun qui gagne pour moun ça yo vend. Seul entre yo, yo gagne comment yo faire compétition avant. Vous comprenez ça tout là, ça veut dire Lula a tes une autre vision. Lula c'est pas tout. Et dit avec Julien que bon, faut nous et pour pas le mari qui a dit quelque chose tout. Bon, madame Naïka, bon, vous connaissez que vous avez 8 ans au Brésil, mais que, est-ce que depuis que vous avez rencontré, non, et ce qui est à Haïti à l'âge de 12 ans, que réellement, c'est sûr, parce qu'on a pile de Lula. Mais qui sont connaît de Lula ou pas? Vraiment, vrai, j'en dis là, moi, je suis rentré ici en 2003.
2012-2013, donc c'était déjà Dilma Rousseff qui était au pouvoir. Mm-hmm. Et pour mettre sous ça Julien Sota, information que Julien Sota passe nous là, qui sont des points qui t'ont aidé au Brésil réellement d'une façon extraordinaire, qui se font changement tête chargée dans le pays. Hein. Et n'a pas aussi, il n'a pas seulement créé des universités, mais aussi il crée des programmes qui non seulement qui aident jeunes noirs, etc., qui n'ont pas oublié mentionner tout, qui baille plus femmes accès à l'éducation. Parce que si n'a pas en 2002, et dans l'université, il y a environ un total de 2 millions de femmes qui étaient inscrites, qui ont fait une faculté. 2002, exactement. 2002. Il y a 2 millions de femmes qui étaient inscrites, qui ont fait faculté. Après que Lula vienne prendre le pouvoir, si je ne pas menti, en 2006, je crois que c'est 2006, il vient créer des programmes, par exemple, ProUni, FIES, qui c'est le programme qui a plus accès et qui a boost pour étudier. 2 millions, ça, il vient doubler. Nous venons un total de 4 millions, 3, si je ne pas menti, femmes capables de prendre. Et si on regarde dans le monde, pas seulement au Brésil, discrimination, je ne sais pas trop comment on dit, mais on a excusé, même quoi c'est discrimination, c'est ça? Discrimination. Discrimination. Exactement. Et exactement. Fait différence du genre, on a excusé, moi, fait. Pour cause de femmes. Oui. Exactement. Pour cause de femmes qui n'ont pas de place dans la société, etc. Ça, c'est un bagage qui était vraiment critique. Donc, programme ça accès à quel bras le bas nous pour mettre pour notre tête nous dans l'université pour nous avoir droit de parler droit de pour nous apprendre pour nous représenter. Donc c'est un bagage qui était vraiment extraordinaire. Et si on va entrer tout de suite après gouvernement Lula, Dilma vient rentrer et dans gouvernement Dilma tout il y a plusieurs programmes sociaux qui fait juste pour améliorer la différence qui vient entre moi avec ton garçon, par exemple. Dans l'entreprise, il y a une femme qui travaille dans le même poste avec un garçon, il était touché environ 28% en moins de garçons, juste parce qu'elles sont filles. Et un pile argument qui était utilisé pour te faire comprendre, pour te justifier le fait qu'on a touché moins qu'un garçon, c'est parce que le garçon a laissé chef de famille. Le garçon a plus de force physique, même si le travail n'a pas de rapport avec la force physique. Donc, il y a un point réellement qui que me trouvais extraordinaire dans tout changement que le gouvernement peut emporter, c'est accès que le bail noir et puis femme place dans la société. Il ouvre ça plus. Ce n'est pas que pas de gain, non, mais il élargit le cadre plus, il vient mettre nous plus dans la société. Et l'autre bagaille tout, en 2006 aussi, loi, en fait, en portugais, il y aurait les lois, ça, Maria da Penha, qui viennent approuver ce gouvernement nous là. Loi ça c'est une loi qui vient mettre accent sur justice pour bail femme justice. Par exemple, Julien, est-ce que tu peux m'expliquer bien? On connaît l'expression en portugais, mais pas de l'encore. Comme si les battre fille, violence. Exactement. Donc c'est une loi qui pourra établir pour bail femme plus sécurité par rapport avec violence qui t'a fait, parce que si n'a calculé les numéros statistiques sont bagaille tête chargée façon que nous-mêmes nous t'ai subi violence et automatiquement loi ça vient tracer si me pas menti 10% na assassinat na violence qui t'a qu'on a fait diminuer. Exactement par rapport avec genre de programme ça non seulement nous gain place nous ca apprendre causer salaire là jusqu'à présent c'est en lutte il reste un tabou pour nous dans société on a travaillé sur les mecs qui déjà amélioré beaucoup. Et violence sous femme, tout commence à en fait, diminuer de plus que 10%, juste en fait, 10% c'était pour 2006, mais jusqu'à aujourd'hui, ça diminue beaucoup plus. Donc, ce sont des changements qui marquent moi et franchement, je me trouvais qui vraiment bon dans le gouvernement, pas seulement Lula, mais ensemble avec Dilma Rousseff. Merci. Bon, ok. Bon, mon pour Dilma Rousseff, qui est que l'esprit au jour d'hier, parce que l'homme qu'on est que vous l'école, ou déjà femme d'affaires, et on connaît que vous n'avez pas quelques bagages, vous n'avez pas quelques rêves. Dans la conversation que vous avez avec vous, dans le téléphone, qui y a un monde qui dit que inspiré je vous dis, qui dit que moi-même, que bon, et Naïka, je suis capable de dire que je tout demain si je veux. Pour être très sincère ensemble avec nous, je me sens que quand j'avais environ 11 ans, si je ne me pas menti, j'étais en Haïti, et puis je me suis cherché.
m'ta cherché visa moi dans l'ambassade là. Et puis les m'rivé, c'est bon grand photo de le mapé dans mur, coqué dans mur là et puis bon pardon monsieur capitaine vendant qui est dame ça. Il dit c'est Dilma, c'est président et c'est président pays Brésil. Il dit ah bon, mon fils. Il dit parce que jusqu'à présent moi même pas connais si fille te gain te arrivé dans niveau ça. Sérieusement. M'étonné, il dit son fils. Il dit oui. Papi m'était déjà Brésil, mon téléphone m'a relé papi. Il avait parlé de femme ça président pays. Comment mon fils fait président ton pays? Et automatiquement, à partir de là, l'amour commence à prendre ça. Sérieusement. Et pour m'entrer plus dans la partie émotionnelle, les que le pral souffrir impeachment en 2016, il crie dans le monde petit. Coup d'État. Exactement. Coup d'État, exactement. Il crie dans le monde petit. C'est ça, il y a un monde qui dit que non seulement ils sont source d'inspiration pour moi et pour un pilote jeune, ils montrent que ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce que nous exactement. Capables. Nous capables. Exactement, nous capables. Parce que si nous regardons dans la politique brésilienne, nous avons participé très peu. Les mieux que Haïti, mais ici, le Brésil, parmi 193 pays, nous avons le Brésil en 52e position dans la participation femme dans la politique. Si je ne pas mentir, je ne pas faire des fausses informations, mais c'est ça les dernières femmes qui font recherche en ces salariés. Donc, ils montrent nous que. Il suffit de travailler, il suffit que ou pas abandonner. Parce que si on a une carrière comme ça, qui occupe un pile cargo public, un pile, Julien, cargo public. Place publique. Exactement. Exactement. Qui occupe un pile place publique et qui était même arrivé pour une prison, qui montre nous que malgré ça, il est capable, malgré ça, arriver. Même oui, ça. Si. Exactement, même si l'opposition à la fin 2016 est arrivée, la guenouante avec coup d'État, mais franchement, dans une phrase, ça m'a dit, Dilma Rousseff montre nous que nous capables. Je n'ai pas de et prison pas fait Dilma fait bac. Non, exactement, c'est j'aime dire. Nous, une phrase qui montre nous que nous capables, c'est possible, je n'ai pas de tracer, c'est nous pour et Julien, bon, parce que je connais l'histoire prison Dilma, que c'est sûr que vous connaissez très bientôt, moi. Et bon, est-ce que sous qui gouvernement de Dilma était pris en prison, hein? Là, avec peut-être qu'il sait que c'est le même que les Poudimonio, les présidents et Petit Adabralé, c'était le même que les deux maîtres là. Et il y a un bagage que nous-mêmes, dans le parti des travailleurs, comme dit nous-mêmes, dans le parti des travailleurs, tout le monde qui est dans le parti, y compris moi-même pendant même te jodi m'étais l'hôpital là et puis m'a parlé et t'ai gagné discussion sous groupe là pour 2022 qui c'est élection présidentielle et puis n'a parlé qui je non pas fait même erreur que et parti de travailleurs ont fait en 2002 et avec Lula qui c'est ça y a un bagage que nous t'ai fait comme erreur c'est ta va et penser que nous ca avancer dans une société côté que nous prend ni pauvre là ni riche là nous fait tout le monde fait comme. Pendant ce temps, nous avons eu deux bagages, nous pas changé. Nous pas changé structure, pas loi. Vous comprenez ça? C'est un coup, je me dis, M. Bito, c'est directeur télé et solidarité. Et il me dit, bon, M. Bito, regardez, à partir de jeudi, Naïka, c'est directrice télé solidarité. Maintenant, papier était directeur. Seulement, Elika fait tout bagage et puis nous touchons même comme. Jou, nous ne va pas là encore, c'est toujours directeur. Parce que nous pas fait si on côté. Vous te dites non, c'est Naïka qui dit que ce n'est pas tout même. Et vous après, c'est que c'est dans le gouvernement nous que les bourgeois n'ont pas fait plus comme, n'ont pas gagné plus banque, n'ont pas gagné plus crédit parce que l'État n'a pas pris l'argent, l'Israël. Non seulement nous sommes pour un pays avec une dette énorme et nous quittons le pays, nous payons toute dette FMI, nous payons toute dette et ça nous est les dividendes externes, qui sont des dettes externes, que nous avons donné n'importe qui bagage, et nous quittons avec 200 millions de dollars américains dans le coffre. Vous comprenez? Et c'est là que Lula lui-même, c'est tellement de monde qui croit dans un pays côté tout le monde intégré là-dedans, côté pour créer ça ou les quotas raciaux qui sont yon bagay comme si pral, par exemple, n'importe quoi qu'on gagne ici, M. Buto, nous avons 20% vague réservée pour lui. Pas de monde qui apprend. Que l'université, de pousser noir, ou a une priorité sous blanc pour entrer, parce que c'est noir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des programmes qui peuvent créer, qui peuvent valoriser le sexe féminin.
Dieu m'a pas été meilleur monde qui était mieux placé à l'époque pour être candidat à la présidence, mais il était besoin de monter pour la première fois en Amérique latine, pour ne pas dire au monde, il y a une fille qui a fait différence. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que pété fort. Ça veut dire que les gens qui ont été levés, mais ils ne sont pas capables de faire tout ce qu'ils ont tout pour voter. Ils mettent cette femme même, ils ont oublié. Parce qu'on a parlé là de période côté que Lula a apogé politique. Ça veut dire que les gens qui ont été et Dioma, ils ont monté sexe féminin dans la garde. Pas seulement, ils ne pas plus mis en lutte raciale. Mais ils ont mis en lutte dans toute couche. L'homme prend une fille. Je ne vise ni fille blanche ni fille noire parce que tout le monde s'est discriminalisé, c'est fille. Vous comprenez? Fille capable, tout fille qui a fait. Mais c'est là que, en pile gros tête en deux parties, pour elle dire que, et si ce n'est pas Dioma, nous ne pouvons pas prendre un coup d'État. Vous comprenez? Parce que Dioma, comme fille, en pile garçon, voter contre Dioma parce qu'elle est fille. Vous comprenez? Parce que vous sentez pour la deuxième fois, ils ont fait à diriger, ils ont fait à ceci, ils ont fait à cela. Et vous pouvez regarder. Pour montrer que comment pété lui-même son parti qui tellement valorisé fille, je dis à qui est-ce qui préside notre national parti des travailleurs son fille. Vous comprenez qui c'est Glessy Hoffman. Vous comprenez qui c'est Yon Mounte et fait 4 semaines de nos réunions avec elle, côté il était venu dans la ville côté nous, et puis nous avons chitan de nos réunions, côté nous avons parlé comment nous parlons de stratégie pour l'élection présidentielle 2022. Vous comprenez, c'est-à-dire, et là, Lula choisi et Dioma, ce n'est pas seulement. Parce qu'elle c'est fille, mais c'est pour montrer que fille au même tout, yo capable, fille au même tout, yo ka penser, yo ka gouverner, yo ka agir, yo gen capacité pour ça. Vous comprenez, c'est ça la différence. Bon, en tout cas, que c'est vraiment extraordinaire parce que moi-même, je suis double. Et Lula, je m'appelle biographie. Lula, que c'est vraiment bah, qui encouragé, bon, et tout moi, yo. Bon. Et vous connaissez que nous sommes haïtiens que le Brésil, il y a un football, il y a quelques proches du Brésil, ouais, que nous fait football. Ouais. Et qui fait que nous, là, que nous pouvons que nous faisons un bon travail. Ouais. Mais, en fait, qui ça vraiment été repoussé, Lula, jusqu'à ce que vous êtes voué la prison? Mais question ça se situe pour vous, Julien? Bon, je pense avant de répondre, je n'ai pas de chance à Naïka, pour Naïka répondre, parce que je pense là bien, là bien détaillé, et puis m'a complémenté. Pour être très sincère ensemble avec nous, ce n'est pas un sujet que moi connais, que je m'a détaillé pour nous. Donc, c'est tout forme d'abdi, pour qui raison? Je t'ai accusé, ils ont barré, que je m'a passé juste par en l'éli. Donc, la mieux, c'est tout phrase que je m'a répondu, parce que je m'a trop connu ça pour fonder ce sujet. D'accord. Et là, on parle de Dioma coup d'État, et droite là, vient pas accepter que gauche lui-même l'y élu. Encore, à l'époque, Lula était un simple citoyen, il a commencé à tenter pour corruption. Mais corruption, pour qui ça? Puisque Mbaka dit, par exemple, Naïka, c'est propriétaire et tel avion, si pas bon papier côté le sien qui dit Naïka attaché tel avion. Ça dit, je ne peux pas accuser un monde sans preuve. C'est sa justice l'a dit, dans n'importe quel pays. Je ne peux pas être là, je dis, Naïka tué et Waldi, sans pas qu'il y ait une preuve qui montre que, mais Waldi mourir, c'est Naïka tué. Je ne peux pas accuser Lula de corruption, sous prétexte que l'État va faciliter une série de grands et compagnies et une série de programmes et publics, vous comprenez? Et puis, on te cabale en échange, yon pot de vin. Vous comprenez, yon bay qui vraiment commun dans la société nous, côté que nous c'est chef, nous facilite par exemple Naïka comme et au monde qui étudie commerce extérieur, nous dit bon regardez, m'a mettre dans ministre des affaires extérieures et puis chaque mois ou paye yon ou bon mon bagage. Vous comprenez, c'est première accusation pour le bal, corruption. Les Lula vini et Lula pral poser candidature et comme président avant ça, Dioma pral mettre ministre casa civil. Vous comprenez? Pour empêcher investigation, puisque vous n'avez pas bien autorité pour investiguer un ministre, vous venez pour commencer et penser pour d'état Dioma là. Parce que ouais, si vous n'avez pas retiré Dioma, vous n'avez pas qu'à empêcher Lula pour en prison. Et pas empêcher Lula pour en prison, c'est du tout pour qu'il y ait une élection. Vous n'avez pas Dioma coup d'état. Si vous n'avez pas jamais qu'à prouver, parce que vous accusé de faute fiscale, vous n'avez pas jamais qu'à prouver un jour côté Dioma commettre une faute fiscale, malgré tout pour coup d'état. Et là tout, depuis même côté Dioma prend coup d'état, nous réunis dans la partie à nous dit Lula prend prison.
Parce que si toute instance a condamné un président de la République sans aucune preuve, pour qui ça n'a pas condamné un simple citoyen sans aucune preuve tout? Parce qu'il n'a pas le don président. N'a pas le don président. Ça veut dire là, nous avons ouais, gauche et droite là, ensemble avec centre là, ils ont bien soudé pour faire ça à faire. Son bagage qui est en détail sous table gardé, n'a pas un tel coup d'état, n'a pas un pouvoir, et puis chaque monde met pas si pour un gâteau. Et au point où il y a un bagage qui est naïka et naïka qui a assisté, il y a un bagage qui était vexé, surtout, et dans le vote et parlementaire, selon les gars, m'a voté pour destituer tel président, pour famille, mais pour chèque la caille moyen. Pour moucher, pour ma famille, m'a voté oui. C'est triste parce que là, on a fait un pays. Là, même pas c'est un pays sous développé. Ou même dit soit plusieurs fois. C'est un coup. Son bagage qui était politiquement parlant, nos pays, tant qu'au Brésil, qui sont c'est impossible. Plus on ne peut pas voter pour, comme si en faveur de la loi, mais la voter pour chien claquer à pour famille. Ça veut dire, ouais, c'est un coup monté. Bon, le loup là pour elle, le accusé loup là de yon sa ou yon édifice. Et côté pas dit lui même ses propriétaires lui a demandé seulement bon yon côté nous t'ai même tenté acheter édifice là même besoin nous dit nous bon côté papier à sous nous dit c'est pour moi mais bon yon côté que me t'ai en négociation avec tel édifice pour t'acheter mais malgré tout yon fait virer tout ça cela après des yon processus qui t'ai prend 3 ans parce que ici là par exemple sous relève dans l'état monsieur Buto juge dans zone là quand nous juger nous on ca recourir. On a recouru pour voyer maintenant un juge qui pire que lui et ça prend un an. Yo pral ça dit pour celle là t'es qu'à durer n'importe 10 ans. Mais au bal prison dans moins que 2 ans. Vous comprenez parce que yo précipité. T'es comme marché pressé. Il clair, yo besoin retirer le coussin parce que si yo pas gagne condamné, yo pas qu'à retirer droit de citoyen tel qui dit li pas qu'à candidat parce qu'il faut le condamner. La loi Brésil dit sous condamné ou pas qu'à candidat. Mais pas avant que gon condamnation qui baille yo pas ka empêcher le candidat. Vous comprenez? Et c'est là yo pral monter quoi? Et tout nan pati et tout moun te konnen que le latin innocent, mais nous connaît tout, nous pas ka empêcher le prend prison. Et ou pral wè le tout moun a dit le la pa pote tè tout, la France te mandé pour vinn faire quelques jours en France, il dit non, je suis Lula, m pa vann dignité pour place. M pa vann liberté, il dit m pa vann dignité pour liberté. M pa pli pa de m konnen sa l'image mwen. M'a pote tèt mwen en prison parce que yon jou li vérité a sorti. Vous comprenez, c'était yon dernier parole li pa l'di, l'el pa descend l'hélicoptère pour pote tèt li nan police fédérale et c'est une parole qui marque vim. Le comme si pour un moun gen courage pour li accepter bal liberté pour pa perdre dignité. Et nous konnen nan ki sorti tèt n'sorti. Société nous en société côté nèga t'a prendre ki il a gen chaque dignité ou a parlé là. Mais monsieur a lui-même li zou et en fait, il dit, nous avons coupé et racine moi qui c'est nous là. Mais nous n'avons pas de petits loups là, et dehors là, nous n'avons pas de contre carré. Vous comprenez? Après la pluie a fini de tomber, le soleil a pleuvé, et cela c'est tout petit loup là, ça y est. Parce que c'est tout petit pauvre, ça a été bal l'espoir. C'est chaque petit pauvre que le mettons sonde dans le comme médecin. C'est chaque immigrant en koum que le mettons à l'université, côté que y a bon comme chaque mois pour manger, pour payer, pour étudier. Côté que ou ka rentre dans projet gen moun konnen ki nan projet nan université ka touche plus comme moun ka travay éducation primaire ou comprend c'est moun sa yo ki tout ti lou la sa yo que ou pa ka kontre carrière bon, et c'est ça ka et Julien et réellement moi que comme si le Brésil vin en deuxième patrie mais qui si je dis là que yo ta au fond visa aux États-Unis pour venir aux États-Unis ou de choisir entre Brésil et États-Unis qui sont d'accord monsieur Bito pour me c'est avoir on pas besoin États-Unis pour m'arrêter et c'est pas seulement moi même seul non moi dans tout groupe zami qui a à peu près nous 20 jeunes garçons quand on est ensemble et moi seul qui pourquoi j'ai mal des visas américains tout si monsieur gain visa 10 ans et y aller une fois deux fois ou pas tourner encore parce que condition que moi même ça moi m'a fait et côté moi m'arriver ici m'pa bon menti, m'pa immigré, toujours dit pa il semblerait que j'étais un brésilien égaré sur le sol d'Haïti. Parce que en un mot sont dans pays. Dans pays parce que premièrement m'respecter, yo respecter, m'valoriser, vous comprenez? Bon, m'pa l'expliquer un bail qui simple. C'était samedi matin, je jouais football et puis m'gain deux trois brésiliens, oui,
qui relève qui dit Julien moi gros programme dans télévision et moi gros paquet et autorité zone dans Kabaga ou connaît nous gain un problème manger là tel bagage tel bagage moi téléphone moi mon ami qui c'est et directeur et chambre et Haïti pa gagne qui c'est parlementaire zone côté maintenant et puis me dit me besoin cobri pour me battre tel monde manger on le dit me paraît côté monsieur dans 10 minutes monsieur Anik prend numéro compte moi il transfère cobla me paraît me prend machine moi mal dans maquette me font paquet et maquette et puis me paraît mal bail me fin balil me voye photo comme si pour montrer que brésilien a cherché pour résoudre pour problème yo c'est-à-dire pour qui sont mon immigré en l'autre côté c'est pour chercher battre tout une stabilité c'est une stabilité pour qui ça me besoin immigrant l'autre pays oui les États-Unis étaient les États-Unis n'a pas de les États-Unis d'Amérique pas gen moun ki pa tanvi visiter pa gen même moi même m'pa quitter stabilité que m'gen t'a créé ici hein pour ma immigrer les États-Unis d'Amérique bon en tout cas que rien que comme moi dis nous que et que c'est sûr que n'a bien pour nous l'autre émission parce que là ouais que qui genre que ou j'en bagarre qui frappe que monsieur dit pas vendre pas vendre dit liberté ouais. Il veut que son monde qui t'a accepté, qui t'a vérité, il veut jusqu'au bout. Pour prouver qu'il croit dans l'institution, l'institution au résultat. Il croit dans l'institution. Il connaît qu'il y a bien des erreurs qui t'ont fait, mais il connaît que ça t'a fini par remettre. T'as corrigé. Et t'as fini par corriger. Et c'est sûr que dans la deuxième émission que nous avons gagné, bon, sur le Brésil, que nous avons gagné pour parler de ça. Bon, mais Naïka, que. Comme moi, je dis que ou même on continue à impressionner, ouais, comme moi, je jeune, de 20 ans, ouais. Mais est-ce que vraiment que vous pouvez parler de nous? Et ça, ce sera peut-être avant la dernière question, que de l'expérience que vous faites dans le Brésil, là, et que pendant 8 ans, ça, que peut-être que ça, c'est comme un extérieur, ça, c'est pour étudier tout. Parce que Julien dans l'émission de l'équipe d'exalté par relations internationales, que nous déjà, ouais, Julien, que nous déjà, là, déjà, n'a pité, et pas du travail là, et même dit nous que il n'y a pas de possibilité que vous participez dans l'émission que vous faites. Exactement. Juste pour me confronter à ce que ça, Julien t'a dit tout à l'heure, là, et que Julien t'a vraiment bien passé dans mon cœur, là. Même juge, comme je l'ai dit, l'antégon marché pour essayer pour te condamner, monsieur. Et même le juge qui t'a décrété condamnation là, dans ma année, ça, moi, passé, il a fait connaître que les mêmes deux étaient impliqués. Ils suspectent qu'ils étaient impliqués dans le même mouvement et corruption que ont condamné ex-président. Pour me répondre à une question, pour qui ça, c'est comme commerce extérieur que je choisis et qui expérience pour le Brésil, c'est ça? Oui, c'est ça, la question. Il y a une plus belle expérience que me fait Brésil, que me toujours aimé parler de lui. C'est ce côté que me participer pour la première fois dans un mouvement qui lié directement avec politique, qui c'est participation dans un programme qui est les jeunes parlementaires et SC, qui c'est jeunes parlementaires pour état sud, côté que me exactement. Il y a invité plusieurs écoles, il a choisi des élèves, il fait élection pour ça. Il y a un comité qui est là pour ça, pour désigner qui élève, qui peut représenter l'école là, qui peut représenter la ville là. Dans la capitale, est à côté que nous y est. Et dans l'école, parmi nous, tu choisis 5 élèves et parmi 5 élèves, ça, on est là-dedans. On est à représenter la ville là. Et côté que nous avons joué rôle, jeunes députés, créer projet de loi, etc., pour nous améliorer la ville, côté que nous avons ou bien même l'État tout en général. Et dans le programme, c'est là, moi, tu es arrivé président du programme là. Et c'est un programme pas bon, qui m'a vraiment, vraiment aimé. Pour qui ça, c'est curiosité, tu as exactement 20 garçons, 20 filles. Vous comprenez? C'est tellement rare qu'on a un mouvement politique pour nous égaler. Égaler. C'est tellement rare. Ou t'es député, n'est-ce pas, non? Exactement. Yeah, m'a fait partie 40 jeunes députés. Et franchement, c'était tellement beau de voir. Et c'est un mélange, quoi. Malgré que c'était moi-même seulement qui était comme noir et comme immigrante, pour me continuer avec ça, m'a dit, donc, nous t'es égalé. Et c'est pour la première fois, tout dans l'État, sud côté mien, que c'est parlementaire, jeune parlementaire, que c'est pour grand monde, c'est la première fois, une fille tapchita sous chaise président. Et on noir. On noir. Exactement.
Donc, moi, arrivé là-bas, moi, fais l'histoire. Pour, non seulement, je fais l'histoire pour Brésil et je fais le tout pour Haïti. Parce que moi, je représente Haïti normalement. Je dis, c'est haïtien. Parce que Brésilien, lui-même, normalement, l'on parle de Haïti, l'on parle de Haïtien. Son image qui est négative qui vient dans la tête. Oui. Je ne comprends pas pourquoi. Et pauvreté. Exactement. Et pauvreté, analphabète, mon dibagonie. Et en pile là-dedans, même moi, son peuple qui est sauvage. Exactement, exactement. Et là que yo en fait, comment on dit ça déjà? Élection finie, yo déclaré comme président. On prend la parole pour même dire c'est haïtienne. Monsieur haïtienne et normalement là c'est avec un peu de fierté. Avec un peu de fierté et me dit catégoriquement là c'est commencement. Je suis très très loin pour me finir, je vais plus loin. Vous comprenez? Et m'était même rivé en dans même yo té jugé, juger tout ça, etc. J'ai une scène de racisme, mais quand même me représenter et me sortir là avec fierté et me sortir avec fierté que nous sommes noirs, nous sommes haïtiens et nous sommes femmes, moi qui occuper place présidente là. Et juste à présent, ça va causer un fait depuis la sortie. Pour finir avec question, pour qui ça c'est commerce extérieur que me choisis? Normalement, projet moi, vision moi, c'est pour gagner une amélioration dans relation commerciale Haïti-Brésil. Si nous regardons, nous avons pile en Haïti pour nous bailler, nous avons pile en Haïti pour nous vendre, mais malheureusement, nous n'avons pas passé pour nous. Et même dans le pays côté me sorti, en fait, dans la ville côté me sorti, qui est là, nous avons pile de bagages que nous avons offert. Nous avons pile de bagages que nous avons offert. Nous avons trouvé une première là-bas pour émission sur la Gonave avec vous. Bah ouais, carrément. Je monte à bord, quoi. Donc, bon. C'est une principale raison qui fait que j'ai choisi le commerce extérieur. Et en plus, tout, le fait que ça parle, ça a un rapport avec socio-économique, politique, tout, c'est un sujet que moi-même depuis tout petit. Donc, ça poussé mon intérêt pour que moi apprenne de ça. Mais normalement, au début, j'ai voulu des relations internationales. Mais est-ce que qui va vous gagner après le commerce extérieur? Qui va faire maîtrise là-dedans? Et oh, maîtrise, doctorat, en tout bagage, m'a pas chita dans un petit diplôme et gradué puis fini. Normalement, m'compte arriver jusqu'à doctorat. Jusqu'à doctorat. Exactement. Lève que faut ajouter tout que vous déjà parlé 4 langues. M'a pas dit 4 langues, non, m'a pas dit 4 langues, m'a dit 3.5. Pourquoi ça 3.5? Et j'ai français, m'a capable de me dégager, mais c'est bien, c'est écrit qui est déjà difficile pour moi parce que m'a quitté Haïti à 12 ans. Donc. C'est pendant mes siens m'a pratiqué pour moi si me ca tabli et casque bien portugais me dominer plus que toute l'autre chose créole là tout parfois les gêne me comprendre mais espagnol là tout puisque il semble en pile avec portugais donc moi dégage me là-dedans tout me pas pile dit quatre langues m'a dit pas venir l'esprit que vous êtes très attaché avec Haïti tout exactement sont questions que parents normalement y'a dit côté me jeune avec tout l'amour ça côté me jeune avec tout envie connait ça envie retourner ça parce que même qui grandit là-bas qui fait tout vieux là-bas il va gagner intérêt ça me gagne donc tout bagage qui dans ça tout bagage qui dans moi tu prends pays dans moi dans pays est-ce que tu es impliqué dans la communauté haïtienne qui au Brésil là bon on va parler pour Julien lui même parce que je dis est-ce que tu es impliqué dans la communauté haïtienne là ouais très parce que papi normalement il est président association et immigrant pour ville côté que nous hier donc réunion etc. j'en débarrasse ça on toujours ensemble avec lui comprendre donc m'accompagner papi directement dans tout mouvement qui a rapport avec immigrants pas seulement haïtiens mais immigrants qui vécu réellement que sont ou très intégrés dans la société que non seulement que dans la société brésilienne et dans la communauté haïtienne exactement yeah. Bon et Julien que comme moi dis que nous sommes toujours contents que pour nous gagner ouais parce que vraiment que chaque nous gagnons toujours petit vraiment des éclairages qui a aider joueurs nous ou bien mon qui est fanatique radio de solidarité moi connais plus plus et non seulement de parti travailleur de Lula de haïtien qui j'ai haïtien impliqué dans politique Claude Bora ouais et que normalement que émission ça nous parle de quoi long tout mais est-ce que vraiment au dernier mot dernier mot et pour me censé pour me finir pour émission aujourd'hui comprendre c'est ta yon conscience nationale on m'a voué pour tout haïtien que soit côté que ou vivre dans monde là yon conscience nationale parce que nous songeais m'étais dans émission avec Naïka vendredi m'étais dit une parole qui t'ai fait toute émission l'émission était bon sujet
Manik font introduction, m'don parole et puis c'est lui qui fait émission. Vous comprenez? Parce que comme pour émission analyse, moi même lancer puis mon bouc dans n'importe commencement conversation. Vous comprenez? Moi même lancer son bagage et puis pour me chita comme si plaisir c'est ouais des intellectuels chita et puis nous pour un sujet n'a parler de lui. Il y a un bagage qui pas fait Haïti, qui pas gagné Haïti. Vous comprenez? Nous pas débattre, nous pas débattre. Pour que ça pas j'aime moi par exemple monsieur Buto, ouais des jeunes qui par exemple font live ou bien ils font Zoom. Sous Facebook, côté à parler de constitution haïtienne. Nous, en 2021, est-ce que nous cap dirigé par une constitution qui t'est écrit, qui t'est appropriée à une époque? Est-ce que c'est même réalité, époque, ça que nous avons vu aujourd'hui? Pour qui ça nous pas un live qui dit, relation nous gagne avec pays qui ont des relations plus que 200 ans, est-ce que relation ça profitable pour Haïti ou profitable pour les politiciens haïtiens? Et si oui ou non, qui ça nous a fait pour nous jeunes bagay qui en faveur peuple? Nous pas j'aime bien sujet côté de chita n'a pensé, parce que haïtien pas aimé penser. Haïtien, ouais, m'te go émission tout m'te fait, m'te dit, problème Haïti, c'est la paresse. Et surtout paresse intellectuelle là, nous aimé reproduit, nous pas aimé produit. M'd'accord pour m'te de qui ça monsieur Buto dit, et puis m'prenne le temps coupable, m'fon go émission sous lit, par exemple, journaliste Haïti, m'pas attendu encore. Frappe même sous table, sonne cloche, faire gros bruit, menti ou pas penser. Ou après produit ça dit déjà qui sont pour porter comme élément de solution. Et puis pour monde qui dit opposition Haïti. Opposition c'est proposer pour contrecarrer un bagage qui était proposé déjà ou du moins une décision qui prend. Mais nous avons une opposition politique qui pas qu'une proposition. Yo seulement là pour craser, briser, dire pas d'accord. Si me dit pas d'accord avec monsieur Buto comme présentateur émission ça dans radio télé solidarité, faut me dire pour qui ça me pas d'accord et qui ça me proposer pour émission ça pas camper. Mba ka seulement dit pas d'accord et puis craser émission bon l'elle pas faire qui moun ka vinn faire. Vous comprenez? Il me pensait que mentalité ça et faut nous commencer changer et puis diaspora. Nous manquer prendre destin Haïti en main. Nous plus comme si nous senti nous confortable dans luxe côté nous hier, mais n'oublier gens que il bon brésilien qui était qui dans émission qui te dit qui était immigré, il immigré aux États-Unis et puis il dit comme ça et m'pas travail pour luxe jeune là. Ça fait me pas à l'aise. Moun ki travay pou luxe map juge jodi aux États-Unis c'est américain yo goumen yo lutte yo pense yo inventé yo travay di yo pa dormi pou yo fon pays haïtien pa ou pa travay pou so jeune kotoyi a peut-être ou ka commencer travay pou l'avancer puis devant monter vinn jeune li la et ki sa n ka fè pou Haïti c'est ça qui est important m'pa bezwen konn se gen Ferrari Lamborghini jet privé ki so ka fè pou Haïti m'pa bezwen konn se pa gen bisiklet si sa pi wap mache ki so ka fè pou Haïti puisque nous tout ka fon bagay. Vous comprenez? On met men ensemble, on font faisceau, on fait pression, on bat pour changer système là parce que tout on a critiqué système là mais on pas si on fait partie système là. Et on pas dit qu'il ça a besoin pour changer. Et puis chaque grand intellectuel mettez connaissance sous et pour avancement Haïti, le regarder Naïka à 12 ans quitté qui dit lui même lui une vision pour que Itaoué lui même pas représenter Haïti avec Brésil par exemple dans commerce extérieur qui sont bagarre vrai pas gagner. Moi même Sénégal cap ça c'est certain et pendant plusieurs jours m'a pensé me dit je me fin gros chef ici et puis me font tourner mal fond magistrat la caille moi même pour 4 ans et puis me font exploser ville moyen mettre ville moyen comme la plus belle ville d'Haïti et puis m'a regardé parce que nous ca fait et monsieur Buton pensé bon je me dit c'est là que n'a commencé dans magistrat oui n'a pas commencé la dedans. Parce que si m'ka changé la caille moi, m'pa monsieur Buton gros bagay la caille moi. M'son nèg qui vraiment kwè nan apparence, nan n'importe bagay. M'pa bred lo la caille aussi pendant m'entrer, mwè salon bien mwè cuisine nan tout sal. Mete soif m'pa bred lo. Ça di m godo pral ban bred lo et pa avec on de l'eau sale laver le bon bred. Et ben avant m'ta di m'vi sénateur m'vi député, faut la caille moi m'ka ranger. Au cap m'te konnen monsieur Buton, lè m'ap gade nan télévision jodi ou ben nan sou Facebook, et pa li mwè, mwè ou kap fatra, yo ou kap fatra. Oui, parce que nous veillons plusieurs émissions sous la ville du Cap. Oui, li clè ou, pourquoi nous t'écoutez assister à l'émission ça sur YouTube, tu as 351 000 Cap-Haïtien. Oui, parce que toutes les émissions ça, tout le monde, l'homme ou kap, premier bagage qui accueille ou, c'est fatra. C'est fatra. Et fatra qui accueille ou. Par contre, pas ou kap ça m'te konnen. Vous comprenez, c'est pas ça m'te quitté. Avait dit faut me changer la caille moi. Si m'pa ka changer la caille moi, m'pa ka dire m'ka changer Haïti. Vous comprenez? Et me penser que c'est un meilleur travail que nous même haïtiens nous pour nous faire et moi même ce travail ça me proposer faire dans ville côté ma ville qui c'est représenter les faibles, pas seulement les immigrants parce que moi même immigrant bon côté moi, bon immigration positif, immigration haïtienne qui positif côté moi. Moi immigration haïtienne qui sont étudiants
Et parmi moun ka pi bien vivre dans zone nan, immigration haïtienne nan bien compté. Vous comprenez, puisque si nous si gen nous 50 lot boa, ou ap jwenn 20 gen tan gen machine. Et nèg yo pi fò nèg machine 2021 2020 sa di nèg yo gen ki gen tan gen kay, nèg ki gen tan acheté terre, nèg ki gen tan maye avec brésilienne qui se professeur université côté nou ye a. Vous comprenez, nèg ki que pour ceux qui hésitent nèg ki vilan pa. Non, ville trois frontières. Me fait frontière ensemble avec le Paraguay et l'Argentine. Ça veut dire côté me chita la caillou, si me marche 10 minutes à pied en Argentine, à pied. Si me dans machine dans 3 minutes, me gétant rentré. Vous comprenez? Si moi aller passer en 10 minutes dans machine, me rentrer Paraguay. On dit ma vivre dans trois frontières que les forces de Iguassu. Et qui veut que normalement que là on va dire son ville limitrophe. Oui. Limitrophe avec Paraguay, Argentine et le Brésil. Et le Brésil qui vient ville là il est Fos do Iguassu. Bon, c'est ce que nous avons pour nous parler de ça que non émission tout parce que comme moi de haut et si nous dégagions Jackson nous sera de quoi que nous apportons parce que vraiment que nous avons plus de bagages pour nous partager même qu'on est que et réellement on a plus l'activité émission et là puis que nous voyons que c'est un homme d'affaires et tout notre droit est de plus l'école c'est déjà son et paquet. Et moi-même, papa, moi-même, m'a dit que je n'ai pas combien d'heures pour moi pour gérer tout le bagage. Monsieur Bito, je bon me dormi 3h30 par jour, seulement. Chaque jour. Et cela, plus que 5 ans. 3h30. Même si je bon plutôt pas dormi, si je ne pas dormi 4h. Téléphone est toujours programmé. Je me dormi à 4h du matin, 7h30, j'ai une clé. Même si je ne pas le faire. Et qu'on s'amuse. Tout un beaucoup millionnaire, je pas dormi 8h. Et c'est l'offre millionnaire que. Et millionnaire, c'est le Brésil pour faire. Hein? Et Brésil, le Brésil l'a fait. Et bien, Naïka, le dernier mot. Ok, oui. Julien, ça, c'est pour votre espace là, non, mais. Mais comment ça, Julien? Julien, ça, détailler, conseil que le bail, diaspora, etc. Mais moi-même, le plus souvent, là, que mon conseil m'a porté, plus que m'adresser avec Junio. Et une phrase que moi j'aime utiliser tout, c'est opportunité à aller pas dans le pays, mais non. Mm-hmm. Peu importe si aux États-Unis, peu importe au Canada, au Brésil, au Haïti, ou capable. Il suffit que ou gain ou bail premier pas, ou un projet, ou gain yon pour qui ça me doit commencer. Comment m'a commencer? Si n'a garder en Haïti, dans pays, il plus facile pour nous joindre groupe jeune, bon groupe WhatsApp qui programmé chaque samedi n'a mettre cobas ensemble pour boire bière. Vous comprenez, n'a met comme ensemble pour font sourit. Mais ou pas joindre un groupe jeune qui dit OK, n'a semblé comme pendant 5 mois, pendant 1 an pour nous on mini entreprise quoi, on micro entreprise. Donc c'est esprit ça, nous bien esprit de fraternité oui, mais ce sont pour des choses qui disparaissent pas utile loin exactement. Donc conseil que m'gain pour jeune, c'est apprendre à être indépendant. Mm-hmm. Peu importe l'âge que vous gagnez. Et Naïka, avant d'aller plus loin, qui l'a joué encore? 20 ans. Où va continuer? Nous donner 20 ans que le gain. À la vie, elle va passer comme ça. Exactement. Donc, apprendre à être dépendant, surtout les femmes, surtout les jeunes filles. Si vous ne comptez pas sur la diaspora, je ne vais pas compter sur les parents, non, mais apprendre une liberté financière depuis qu'on a l'homme marié, ou pas seulement un madame marié, ou pas seulement un. Yon servant, ou ap yon femme. En femme qui ka kore mari. F majuscule. Exactement. En femme qui ka kore mari. Vous comprenez, en femme, chérie, te odo am fini, chérie, pa gen gaz. Vous comprenez, souvent, kap di, chérie, ma sorti, m'bra fè ma gen, nan kata pas se mien kop. Chérie, kop ki nan mon an, ken bel, na pe l'école ti moun yon avec. Vous comprenez, donc, c'est ça, c'est esprit ça, plus d'apprécier, mais que nous, les jeunes haïtiens, peu importe si nous au Brésil, peu importe si nous au Haïti, peu importe pays côté nous pour nous mettre dans nous apprendre à être dépendant pas dire que ah mon Haïti a été pas offrir non il suffit de faire le premier pas parce que me connais mon Haïti me lève ensemble avec yo je ne j'ai pas propre entreprise et c'est si on pas lever nos familles qui riche pas joindre nos familles ba yo commence avec un moto taxi yo commence à vendre l'eau et qui je ne le dans qui réussit donc c'est pas impossible opportunité à s'en annuler il suffit que vous voulez et au bail premier pas. C'est ça. Parce que moi, je n'ai pas parler là, ça fait me passer avec Dieu, puis c'est Général Bidesma. C'est un ici aux dates, réellement tout le monde. Je n'ai pas d'eau que c'est un. Ils sont, mais ça les aime, il n'y a pas qu'être calme avec les jeunes. Bon.
C'est sûr que je vais mettre le contact avec vous. Ouais. Et puis, que Brésil, parce que c'est ainsi que vraiment, que gens, nous là sommes un extraordinaire. Qui a contacté quelqu'un avec jeunes, qui a aidé un pire jeune tout, et que non, et en Haïti. Uh-huh. Et que jeunes, bon, à travers le monde, une fois que vous avez vu des centres nationaux, je ne vous dis pas. Qu'est-ce que c'est que l'on a vu comme ça, on est que la quota pour le temps dit, et parole dit là, ouais. Et que, parce que réellement, que Mgabdo, que c'est un institut. Et sommes totales, je veux dire, ouais. Elle n'est pas seulement une religieuse, elle va dire que sont haïtiennes totales, je veux dire, ouais. À travers le travail que la fait, la société, etc. Qui fait que réellement, que moi, j'aimerais être la quota, et Julien pour me dire, et Naïka pour me dire, ça c'est, et n'a clôturé l'émission encore ça, je veux dire. Mais c'est sûr que dans la deuxième partie émission que nous allons gagner, bon, normalement, que ma gagne, moi et Julien. Et que c'est sûr que peut-être ça est placé avec nous, parce que nous avons l'autre jeune haïtien qui est au Brésil, tout, qui est supposé là, mais qui, malheureusement, pour les indépendants de volonté libre, pas capable là, je veux dire, parce que, et que réellement, que ils font accident. Il y a tout qui ne recule pas là, mais que ils promettent que la prochaine émission est là. Dans la prochaine émission, nous avons bien pour nous parler d'arrestation. Et Sylvain, c'est ça? Et nous avons bien pour nous parler d'arrestation. Hein? Et que pendant l'arrestation, ça, pendant l'air, et Sylvain a dit que le pape vend dignité pour liberté, et que nous connaissons que sa liberté y est. Ouais. Parce que l'air qu'au dehors, quand on fait tout sembler, que l'air que dans l'âge, et dans l'âge, c'est bateau que tu as accepté d'aller à la prison. Ça, c'est un gros bagage, mais qui connaît, qui travaille, que tu fais pour l'institution pays. Parce que, au Brésil, on croit que l'institution est passée avant le monde. Ouais. Qui veut que jusqu'à ce que qu'on y a le capable de retourner le gain liberté encore. Ouais. Parce que, normalement, on a vu, ouais, que le gain bagage, tu dis qui est pas ça. L'air que qui élection et que monsieur a gagné tout. Ouais. Et dans la prochaine élection, on a bien pour parler de travail. Mais j'espère tout que pour l'émission de Julien, dans le gain Naïka encore tout. Ni moi-même, tout ça pour plaisir, oui. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Et parce que c'est JBST qui dit ça, politique avec économie, c'est deux bagages qui liés, ensemble. Le frère et le prévendateur de l'économie, on va remplir frère Zah, parce que frère Zah sont frères, ce que vous connaissez, depuis l'année d'après troisième secondaire, on. Et que, on, que docteur JBST, économie avec politique, c'est deux bagages qui liés. Et que nous connaissons que Naïka, le même beaucoup d'économie, elle n'a pas dormi, et que nous avons ce lié. Et que réellement, que bon, et nous connaissons déjà, c'est la haute finance, tout. Et qu'à diriger moins que notre Bible, non? Est-ce que vous dirigez dans la bonne direction? Là, il y a des points d'interrogation. Mais quand même, c'est eux-mêmes. Qui va encore une fois un grand merci pour et Julien. Et on remercie la part de Naïka. Nous avons voir qui est fort Radio Télé-Sénateur faire. Ou ouais, que, au moins que pour émission seulement, c'est pas seulement des émissions et que biblique que émission côté que vraiment que Jean Papla dit je ne veux pas faire plus dans tout petit détail la vie mounio et proximité et que on radio vraiment qui très mounio de tout ça qui a pu et on radio tout qui a fait pas des efforts pour être proche toute communauté haïtienne parce que c'est notre travail que la fin qui veut que je dis nous capable rencontrer des étoiles aéros que nous gagnons au Brésil, bon, qui fait que M. Julien, qui est prochainement là, qui a bien pour le millionnaire, Mademoiselle Naïka qui dit Genio, pour faire tout effort pour le travail, pour ne pas dépendre de personne, et au capable, et que lui-même que lui prouver que, à l'âge de 20 ans, non seulement que lui, presque fini, étudier, prouver partie, étudier, là que lui va bien pour faire maîtriser avec le programme, mais qui est déjà en fin d'affaires. Que au Brésil, parce que ça veut dire que lui-même, que l'Ibrol, cherche un job, il a créé pour que je parle. Encore une fois, un grand merci, c'était Frère Nous, Jean-Mi Nous, Frère Vito, bon accord de la radio Télé Solidarité.
gâté pour la caille. Regardez qui ça exode fait la caille. Regardez qui est batté pour la caille. Nèg haïtien garçon vaillant yo, nèg na go gaga nèg kiné yo. Nèg haïtien garçon vaillant yo, nèg na go gaga nèg kiné yo. Il est ce qu'elle vient prendre la relève.